La nouvelle préfète de Bangassou, Pierrette Benguéri, a été intronisée préfète de la préfecture de Mbomou le 14 septembre par l'inspecteur d'État Jean-Pierre Guérékindou. Pierrette Benguéri a expliqué ses priorités. La priorité d'abord, c'est d'être auprès de la population et de faire en sorte que la cohésion sociale soit consolidée. Parce que vous savez, la crise que le pays a traversée nous a beaucoup reculé. Et si il n'y a pas l'unité là, je pense que le pays ne peut pas se développer. D'où nécessité d'abord d'attaquer le plus rapidement possible le problème de la cohésion sociale et la sécurité qui gangrène, l'insécurité qui gangrène le pays. Il faut qu'on se batte pour ça. Et la scolarisation des filles et la lutte contre le VIH-Sida, qui est le cheval de bataille du chef de l'État. La prophète lance un appel à la communauté internationale afin de travailler ensemble pour le développement socio-économique de la région. Sur le plan sécuritaire, il faut relever le niveau de vie de la population. Et sur le plan social, la population de Mbomou attend un appui multiforme en renforçant leurs capacités pour tous ceux qui œuvrent pour la paix et rétablir un contrat de confiance entre la population et la MINUSCA qui est au chevet de la RCA depuis le début de la crise. Depuis le déploiement des forces armées centrafricaines à Bangassou en août dernier, les activités ont repris dans la ville avec notamment la réouverture des marchés.